Donc là, le photographe rentre en scène hein, et vous allez voir que je vais rapidement me calquer sur les mouvements du sujet, hein, sur les mouvements de ma fille là, sur la balançoire. Donc là, je me mets en position quand même stable pour pouvoir voilà, être dans les meilleures conditions possibles. Et vous voyez que je suis du début jusqu'à la fin les mouvements du sujet. Donc voilà, je ne les lâche pas, j'ai mon collimateur central qui est sans arrêt sur le sujet et il ne décolle pas. Et pendant tout le mouvement du sujet, je le suis pour prendre des photos. Donc là, je fais un check pour voir le résultat que ça donne et on verra tout à l'heure ce que ça donne. Mais voilà, je reprends et on va voir. Voilà, vous voyez, je suis constamment les mouvements de balancier de manière fluide, sans saccader vos mouvements non plus. Il faut que ça soit relativement fluide. Et quand ma fille arrive à ma hauteur, à ce moment-là, il y a tac, 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 tac. Là, vous l'entendez pas à la vidéo, mais je fais des rafales de 3-4 photos. Pareil ici, donc on prend dans l'autre sens pour que vous voyez bien. Donc là, on voit bien que c'est la même chose. Je ne lâche jamais le sujet de mon appareil photo. Hein. Voilà, je n'attends pas le sujet qui se présente devant moi. C'est moi qui suis vraiment les mouvements du sujet. Et ça, c'est vraiment le plus important. Surtout, n'attendez pas à ce que vous fassiez la mise au point devant vous et que dès que l'enfant se présente devant vous, vous prenez la photo. Votre focus n'aura pas le temps de faire la mise au point. Sauf si vous avez un appareil photo qui est vraiment ultra perfectionné, où là, vous allez pouvoir faire la mise au point très rapidement. Mais si vous voulez faciliter la tâche à votre appareil photo et à l'autofocus, le mieux est de rester constamment sur votre sujet et vous le suivez pendant tous les mouvements et vous allez voir aussi que ce mouvement de balancier va permettre aussi de suggérer plus facilement le mouvement, mais ça on le verra quand tout de suite après quand on va aborder les différentes photos que j'ai pu faire de ce moment-là. Donc maintenant regardons en détail les différentes photos que j'ai prises. Les premières, je vous ai dit tout à l'heure de vous fixer comme base de départ une vitesse à 1/4 centième de seconde. Donc c'est ce que j'ai fait moi ici. Et là, je vous affiche deux photos qui ont été prises à 1/4 centième de seconde avec une ouverture de f4. Ce qu'on peut voir ici, c'est que bon, on a un léger flou d'arrière-plan parce que l'arrière-plan est très éloigné. Donc avec l'ouverture à f4, ça fait un léger flou d'arrière-plan. Mais encore, il est vraiment pas très prononcé. Mais on a surtout un mouvement qui est totalement figé. On voit bien que toutes les parties du corps de ma fille et de mon fils sont quasiment nettes. Donc 1/4 centième de seconde ici dans les conditions de prise de vue et par rapport au mouvement qu'ils faisaient sur la balançoire, 1/4 centième de seconde m'a permis de vraiment figer leur mouvement. Donc d'avoir une photo qui est nette, mais par contre on n'a aucune notion de mouvement du sujet ici parce qu'à 1/4 centième de seconde, la vitesse est rapide, donc on fige tous les mouvements du sujet. Donc maintenant, moi, ce que je recherche dans ces photos-là, pour gagner un petit peu en originalité, c'est de vraiment suggérer le mouvement de balancier de l'enfant sur la balançoire. Vous allez voir que ça rend la photo quand même plus intéressante à mon sens et plus dynamique. Maintenant, c'est encore c'est un choix personnel. Mais vous allez voir que, du coup, j'ai baissé un petit peu ma vitesse d'obturation. C'est-à-dire que j'ai utilisé une vitesse plus lente. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'à 1/4 centième de seconde, la vitesse d'obturation était tellement rapide qu'on figeait tous les éléments de la photo, donc le mouvement n'était plus suggéré. Donc j'ai décidé, et là c'est les photos que je vous montre ici, de passer carrément à une vitesse à 1/100 de seconde. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ces deux photos? C'est que à 1/100 de seconde, en suivant bien les sujets du mouvement et en utilisant le mode rafale, encore une fois, pour tous les réglages que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est les réglages que j'ai utilisés systématiquement hein, pour tous les cas qu'on est en train de voir. On voit que ici, j'ai mes deux enfants qui sont toujours plutôt nets, même s'il y a certaines parties de maintenant de leur corps qui sont un petit peu plus floues, mais on reste quand même assez net sur leur partie du corps et notamment sur le visage, hein, c'est ce qui est le plus important aussi sur ce type de photo-là. Mais on voit surtout que l'arrière-plan est beaucoup plus flouté que tout à l'heure. Il n'est pas flouté parce que j'ai changé l'ouverture du diaphragme, moi je suis toujours à f4, donc j'ai vraiment là ici changé que la vitesse d'obturation et bien sûr la sensibilité ISO pour gérer l'exposition, mais là on parle pas de ça. Ici, le flou n'est pas lié à une ouverture du diaphragme plus importante, et d'ailleurs, on le voit bien, notamment dans les arbres et même sur l'herbe et sur le sol. On voit bien que le flou n'est pas le même que pour un flou d'arrière-plan avec une ouverture du diaphragme. Là, ici, on voit que le flou fait des petites traînées. Et il est justement dû à deux choses, le fait que ma vitesse est plus lente, donc 1/100 de seconde, et le fait que je suis exactement les mouvements de balancier de mes enfants.
le fait de suivre les mouvements de balancier des enfants et de faire les photos en même temps, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la petite vidéo, et ben vous allez réussir à garder le focus sur l'enfant, donc avoir l'enfant plutôt net, et de suggérer le mouvement de balancier en rajoutant ces traînées en arrière-plan. Et c'est les mouvements que vous faites avec l'appareil photo, donc les mouvements de balancier qui sont calqués sur les mouvements de la balançoire, plus une vitesse d'obturation plus lente, que vous allez enregistrer des mouvements sur votre photo. Mais si vous gardez bien le focus sur l'enfant, vous voyez que l'enfant lui est net, hein, parce que c'est la chose qu'on veut absolument sur ce type de photo-là. Mais la vitesse plus lente et les mouvements qu'on fait pendant qu'on prend la photo font qu'on rajoute ces petites traînées en arrière-plan et sur tout le reste de la photo qui permettent de suggérer le mouvement et qui permettent de rendre la photo plus dynamique. Ensuite, et c'est ce que j'aime bien faire dans ce type de cas, c'est que j'aime bien aller flirter un petit peu avec les limites. Donc, je me suis dit qu'à 1/100 de seconde, j'avais des photos qui me plaisaient. Donc, pourquoi ne pas descendre encore un petit peu? Alors, pour la photo que je vous montre là de ma fille, je suis à 1/80 de seconde. Par contre, cette fois-ci, l'ouverture et la sensibilité ont un petit peu bougé parce que l'exposition était du coup pas la même. Hein. J'avais une vitesse qui était plus lente, donc il fallait que je bouge un petit peu d'autres réglages pour gagner en exposition, hein, pour pas que ça soit trop clair. Donc je suis à une ouverture à f5.6, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse ici. Là, ici, on voit que même à 1/80 de seconde, en me calquant sur les mouvements de ma fille, j'ai pu avoir son visage et quasiment la totalité de son corps qui reste encore assez net, hein, sauf ses jambes et beaucoup ses pieds, hein, qui eux sont un petit peu plus flous parce qu'ils étaient en mouvement au moment de prendre la photo. Mais on voit surtout que l'arrière-plan est encore plus flouté que quand je vous ai montré les photos à 1/100 de seconde. Donc on a un mouvement qui est encore plus suggéré avec des traînées qui sont un petit peu plus prononcées. Donc moi, je préfère cette photo-là, hein, de ma fille à 1/80 de seconde qu'à 1/100 de seconde, parce que je trouve que le flou de mouvement est encore plus intensifié et du coup, ça rend la photo encore un petit peu plus dynamique. Maintenant, je vous montre, là, je vous ai montré des cas où tout fonctionne, mais bien sûr, dans une rafale, et c'est ce que je disais au début, j'ai obtenu ce genre de photo-là. Et là, vous voyez que la photo est totalement inexploitable. Hein, j'étais exactement la même chose, hein, j'étais à 1/80 de seconde à f5.6, donc les réglages étaient exactement les mêmes, seulement à ce moment-là j'ai peut-être moins bien suivi le sujet à ce moment-là, donc dans ma rafale là j'étais plutôt en bout de rafale, donc c'était plutôt la dernière photo de la rafale, donc peut-être que j'étais un petit peu moins concentré ou que mon focus n'a pas eu le temps de bien suivre le mouvement, j'étais entre deux mises au point faites par l'appareil et l'objectif. Et du coup, je me retrouve avec une photo floue. Donc ça, c'est en vous montrant cet exemple-là, je veux vraiment vous faire comprendre que le mode rafale est important parce que même avec le mode rafale, vous allez voir que sur les 3-4 photos, vous n'allez peut-être en avoir qu'une seule, dans le meilleur des cas, peut-être deux, qui vont être exploitables. Sinon, vous allez vous retrouver avec des photos comme celle-ci où là, malheureusement, on a bien le filet de mouvement qui est fait en arrière-plan, hein, parce qu'on voit bien, par exemple, les feuilles des arbres, où on voit bien la traînée, donc on voit bien que le mouvement est suggéré. Malheureusement, c'est la même chose sur ma fille, où tout est complètement flou, et j'ai pas réussi à figer le mouvement sur cette photo. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre l'importance de la vitesse d'obturation par rapport au mouvement du sujet. C'est-à-dire que le choix de votre vitesse d'obturation et les résultats que vous allez obtenir vont dépendre de la rapidité de mouvement de votre sujet. Et là, par exemple, c'est les photos que je vous montre de mon fils que j'ai fait à 1/80 de seconde. Et ben, je n'ai pas réussi à obtenir un meilleur résultat que ce que j'ai obtenu à 1/100 de seconde. À 1/100 de seconde, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure, j'avais un mouvement qui était plutôt bien suggéré avec le flou et les filets de mouvement que j'avais en arrière-plan. Et j'avais mon fils qui était assez net. J'avais quasiment tout son corps qui était relativement net. Hein. Par contre, à 1/80 de seconde, ce réglage-là a bien marché pour ma fille, mais un peu moins pour mon fils. Il y aurait celle-ci qui encore pourrait convenir, mais si on regarde d'un peu plus près, son visage n'est pas totalement net et elle ne me convient pas vraiment parfaitement. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est que finalement, mon fils se balançait un petit peu plus vite que ma fille sur la balançoire. Donc, en descendant à 1/80 de seconde, la vitesse était beaucoup trop lente par rapport à ses mouvements à lui. Donc, je n'ai pas pu avoir vraiment le rendu que je souhaitais. Le rendu que je souhaitais obtenir
pour la photo avec mon fils, je l'ai eu à 1/100 de seconde. Alors qu'avec ma fille, à 1/80 de seconde, c'est passé et j'ai obtenu une très belle photo. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir avec ces différents cas, et c'est là où je voulais vous amener aussi, c'est que certaines fois, vous allez prendre un enfant en photo, ça va fonctionner à 1/80 de seconde, et peut-être que la fois d'après, vous prendrez en photo un enfant qui est plus grand, et vous allez vous dire, voilà, la dernière fois, ça a marché à 1/80 de seconde, je vais réessayer. Et il est possible que dans ce cas-là, ça ne fonctionne plus. Mais ce n'est pas vous qui vous y prenez mal, c'est juste que la vitesse d'obturation est un peu trop lente par rapport au sujet, par rapport au mouvement du sujet et à l'amplitude des mouvements. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. C'est pour ça que, et encore une fois, je me répète, mais je ne peux pas vous donner des réglages qui fonctionnent à chaque fois. Ça, les composantes qui influencent les réglages qu'on peut faire sont vraiment multiples. Et là, en l'occurrence, vous voyez bien, avec entre mon fils et ma fille, il y a 3 ans d'écart, et ben vous voyez que ça a marché avec ma fille à 1/80 de seconde. Je n'ai pas réussi à avoir un résultat qui me plaisait à 1/80 de seconde pour mon fils. J'ai été obligé de me limiter à 1/100 de seconde parce qu'en dessous, j'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération quand vous faites des photos. Voilà, pour terminer cette petite vidéo bonus, je vous mets quelques petites photos que j'ai faites également pendant cette séance-là, et pour voir, pour vous donner quelques idées, hein. Il n'y a pas forcément que faire des photos de profil sur la balançoire, on peut faire des photos de face, jouer avec les enfants et obtenir voilà, des prises de vue assez originales, assez amusantes, et voilà, ça vous permet de vous inspirer un peu et de vous montrer ce qu'il est possible de faire rien qu'avec une balançoire et un enfant. Donc je vous laisse découvrir ça et moi je vous dis à très vite pour le prochain cours. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, taper sur la petite cloche qui est juste à côté, qui vous permettra de ne rien rater et d'être alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible sur la chaîne. Et en plus, vous aidez concrètement la chaîne à gagner en visibilité. Donc merci et à plus. Bye!